ici. Je suis là. J'ai plus rien. Vous pouvez écrire. Marianne, ma femme. Dites-lui que je... C'est promis. C'est bon, par contre, on t'attendait. Hein. Oui, je sais, mais le prof de droit aussi, on ne sait plus. Du coup, j'allais passer toute la journée. Alors, je te promets, Anne-Claire, si on est les seuls à se taper la honte, je te promets que je ne remets plus jamais, mais jamais les pieds ici. Et t'as vraiment des idées bizarres. Mais Pierre, mais t'es jamais content. Faut te lâcher un peu, je te parie que ça va marcher. Attends, j'ai passé quasiment toute la semaine dernière avec ton entraînement quasi-militaire. Si en plus c'est pour me ridiculiser, je pense que je vais laisser pousser la barbe et porter des lunettes noires. Est-ce que tu crois qu'avec la barbe, t'auras pas l'air ridicule peut-être? Bon, ça y est, on peut y aller. Antoine, à ton poste. En Normandie, parce que là, avec tous ces jours fériés, ces week-ends à rallonge qui arrivent, on pourra peut-être en profiter. Oui, à la découverte des falaises dans cet état. Il est trop tard. Bon, c'est un peu surfait, hein. Mais il paraît que c'est sympa en cette saison. Oui, mais on peut pas, nous, on a notre camp de chef. Oh non, c'est pas vrai. Alors, encore un camp, on va se triturer le cerveau sur la pédagogie scout, faire des jeux pour les louveteaux, et pire encore, écouter les souvenirs de camp de nos vieux chefs. T'exagères, il y a toujours une super ambiance, et puis il y a toujours quelque chose de bon à prendre, ne serait-ce que pour les lieux de camp. D'autant plus que le lieu est tenu secret par Yves. À notre dernière réunion, il a été vraiment mystérieux sur notre destination. C'est le suspense. Ah, mais on pourrait peut-être vous accompagner, Charles et moi.
Béné, t'es pas folle? Tu me vois aller camper? Et en plus, j'ai toujours pensé qu'ils étaient complètement fadales avec leur scoutisme. Oui, mais moi j'ai toujours eu envie de savoir ce qu'ils pouvaient bien faire pendant ces week-ends et ce serait l'occasion. Ah, très peu pour moi. Dormir sous la tente, faire la cuisine à feu de bois, pour peu qu'il pleuve et qu'on sente tous le chien mouillé. Non merci. Alors, tu me dégonfles Charles? Pas si téméraire que ça, hein? Non, mais il a peur pour sa mèche. Pardon? Bah oui, de perdre ses cheveux, au risque de devenir Charles le Chauve. Chauve qui peut. Et puis de s'enrhumer. Charles est un urbain, c'est tout. Mais non, mais il a peur de pas tenir la route et d'être obligé de se faire porter sur tout le reste du chemin. Mais t'as raison Charles, la route, c'est pour les hommes. Oui, enfin, pour les guides aussi, hein. Eh hey, mais ça va, vous allez arrêter. J'ai tout simplement pas envie d'aller jouer le Boy Scout au fond des bois. Mais ça te pose problème d'aller jouer au Boy Scout? Premièrement, je crois que j'ai passé l'âge. Et ensuite, c'est pas pour vous, mais tous les autres scouts que j'ai rencontrés, ils sont ringards et franchement pas très ouverts. Non mais c'est débile. Pour l'âge, honnêtement, on peut faire du scoutisme à n'importe quel âge. Bon après, c'est sûr qu'il vaut mieux pas être trop encrouté, mais je suis sûre que t'en es encore capable. Puis tu dis qu'ils sont ringards et fermés, mais c'est que tu n'as pas dû rencontrer les bons. Hein. Bon alors, vous nous accompagnez? Carrément, on va bien s'amuser. Ce qui me fait rire, c'est Charles de le voir avec la petite valise à roulettes dans les fougères, avec son oreiller sur la main. J'ai pas encore dit oui, et j'ai aucun équipement. Pour ça, t'inquiète pas. Avec Antoine, on donne rendez-vous demain, on a une super adresse pour ça. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à m'incliner. Et encore une aventure pour la table du rue. Oh, regarde, là-bas. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba pour les scouts. C'est sérieux? Ouais, on y trouve de tout, hein. On y vient presque en pèlerinage, hein, quand on a besoin de s'équiper. Ouais, bon, tout simplement pour le plaisir des yeux. Ouais, voilà. Eh, les gars, je vous rappelle que je fais qu'un seul camp parce que vous m'avez forcé la main. Et j'ai franchement pas l'intention d'investir dans la durée. Oh, fais gaffe. Le scoutisme, c'est une maladie, hein. Quand tu l'attrapes, c'est pour la vie. T'inquiète, je suis vacciné. Oh, ils disent tout ça avant de succomber, hein. Ah, je crois que c'est bon. On y est. Et qu'est-ce que tu penses de celui-là? Un. Et ce pull? Béné, t'en as déjà mis trois dans ton sac? Tu pars pas pour une expédition au pôle Nord? Oui, mais j'ai peur d'avoir froid. Et cette brosse aux vêtements, t'es sûr que je vais pas en avoir besoin? Bénédicte, on part camper. Mais je plaisante! Ah oui, et j'ai une petite tente igloo si tu veux. Non, c'est pas la peine, on a déjà des tentes de prévu. Nous, on va partager la nôtre avec les chef-tentes de Louvette. C'est pas que je les apprécie des masses, mais on fera avec. Tu veux un coup de main? Non, je vais y arriver. Avec les uniformes. Ça. Je crois qu'on a oublié le sac de couchage. Carnichon. Et la pelle bêche. Et la bêche. Hop. Arrêtez, les gars. Ça n'a jamais été dans le sac. Bouchard. T'en as quand même mis du temps à réagir, hein. J'ai cru que t'allais dévaliser le magasin. Bon, ça je peux te faire les gamelles de votre vie. Ouais, faut que ce soit. Tu l'appelles bêche, on en a déjà une. Vous êtes vraiment... Oh, ça va. Pour une fois qu'on peut te chambrer, hein. Tu t'en tires avec peu de choses, au final. Ah non. Ah là, t'abuses, là. Faut absolument que je l'emporte, je peux pas vivre sans. Bénédicte, je te promets que tu n'en as pas besoin. Et puis c'est juste l'histoire de quelques jours. T'imagines le nombre de SMS, de mails ou même d'appels auxquels il va falloir que je réponde à mon retour? Mais de toute façon, t'auras pas le temps d'y répondre pendant le camp. Oui, mais en cas d'urgence pour le SAMU? Bon bah ça y est. Enfin, prête. On y va? Bénédicte et Charles qui ont accepté de nous accompagner pour ce week-end. Je suis le commissaire du district, le responsable des scouts, des garçons. Voici mon homologue Catherine, responsable des guides, des filles. Et voici le père Augustin, notre conseiller religieux à tous.
Alors comme ça, il y a des gens assez curieux pour accepter de partir dans un camp scout sur un coup de tête. Curieux ou fêlé ? Mais je ne sais pas trop. Cela dit, quand on est amis d'Anne-Claire, d'Antoine et de Pierre... Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Oh. C'est bon. Alors Yves, est-ce que tu vas enfin te décider à nous révéler où tu nous conduis ? J'espère que c'est pas dans une de ces forêts où t'as l'habitude de nous emmener camper. Bon, alors là, je peux te rassurer tout de suite. Je crois qu'aucun d'entre vous n'a jamais posé sa tente là où je vous emmène. En revanche, je crois que vous ne regretterez pas votre week-end. Quant à toi, Anne-Claire, pour une fois, essaie de faire preuve d'un tout petit peu de patience. Enfin là, c'est trop lui en demander, hein. C'est bon, j'ai rien dit. Bon, vous pouvez monter dans le car, il est bientôt l'heure de partir. Salut Anne-Claire, je vois que tu as trouvé de la compagnie. Oui, je vous présente Bénédicte qui a accepté de venir avec nous. Et puis c'est Charles derrière. Enchanté. Voilà, Charlotte et Angélique, c'est les cheftaines de clairière. Béné, c'est avec elles qu'on va partager la tente. J'espère que t'as pensé à prendre des boules caisses parce que je te préviens, Anne-Claire ronfle comme un camion. Comment se fait-il que tu aies décidé de venir avec nous en camp ? Bah, Anne-Claire m'a proposé et comme j'aime les aventures... Elle a décidé de nous accompagner avec Charles qu'on a réussi à motiver. Et tu avais déjà participé à un camp avant ? Non, mais Anne-Claire m'en a beaucoup parlé. Anne-Claire t'a vraiment tout raconté ? Elle t'a raconté la fois où elle a presque noyé sa patrouille. Charlotte, t'abuses. Anne-Claire était CP. Elle a décidé un peu naïvement à un camp de planter sa tente à côté d'une rivière. Ça a pas manqué, au milieu de la nuit, elles se sont réveillées avec de l'eau jusqu'au mollet, sous une pluie torrentielle. Merci Charlotte. Toujours à ton service, ma petite Anne-Claire. Je crois que je commence à comprendre pourquoi tu les apprécies pas trop. Et encore, c'est qu'un début. Ça me permet d'être tendue. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où vous alliez camper ce soir. Nous avons décidé de vous faire découvrir un petit coin du département de l'Aisne. Mais à la différence de ce que nous faisons d'habitude, ce ne sera pas un camp itinérant. Nous allons nous installer dans un lieu unique. En attendant, ce que je vous propose, c'est de parcourir les derniers kilomètres à pied, en groupe. Chaque groupe aura un itinéraire différent. Je suis parti en chemin sur la route. Dilaladio, dilaladio, je ne reviendrai jamais sans doute. Dilaladio. Bon, qu'est-ce que vous dites d'arriver un petit peu avant les autres, histoire d'avoir le temps d'installer nos tentes ? Et il faudrait qu'on coupe par ce bois-là. Bah, il va pas préciser qu'il fallait suivre l'itinéraire à la lettre, alors pourquoi pas ? Et il nous reste combien de kilomètres ? Alors, selon l'itinéraire d'Yves, 9, et selon la proposition de Pierre, à peu près 7. Bah, y a pas photo. Béné ? Ah bah, ça suit. Bah alors, Charlot, t'es fatigué ? Mais non, charlatan ! Antoine, j'ai oublié d'ajouter une clause quant à ma participation à ce camp, et je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Laquelle ? Que tu arrêtes avec tes jeux de mots. Ça, il a pas tort. Hein. C'est vrai que tu commences à être un tout petit peu lourd. C'est bon, tu les as déjà tous épuisés. Bon, puisque tout le monde se ligue contre moi, je ne vous livrerai plus mes traits d'esprit. Oh, oh.
Pierre, ça va? Ouais, ça va. Ah, rien de cassé, mon sac a amorti la chute. Incroyable ce trou. C'est peut-être le trou d'un sanglier. Pierre, tu veux une lampe? Non merci, j'en ai une. Bon, je sais pas pour vous, j'ai bien envie de le suivre. Moi aussi. Bon allez les filles, on vous laisse. Bah c'est charmant. Merci de nous abandonner en pleine jungle hostile. C'est une vraie décharge ici. Tu peux nous accompagner si tu veux. Ok, on vous suit. T'es sûr? J'ai de la chance de pouvoir couper avec toute cette ferraille. Ah, sale bête. Pas peur des sangliers, toi? Oh non, t'inquiète pas, ils sauront bien nous éviter. Je t'ai déjà raconté mon histoire avec les sangliers? Non. Alors j'ai fait un raid l'an dernier à pied toute seule pendant 2 jours. Ça promettait d'être une super aventure. J'avais même prévu de dormir à la belle. Mais bon, c'était sans compter le brame du cerf, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À un moment, il y a une bête énorme qui est venue pour me renifler en faisant un bruit infernal. C'était un sanglier? Ben en fait, je sais pas. J'ai été emmitouflée dans mon sac de couchage et je suis jamais sortie pour demander qui c'était. Il semble qu'il y ait eu une issue par là. Regarde, toutes ces gamelles. On dirait qu'une troupe de scouts est passée par là. Ah ouais. Si c'était une troupe de scouts, ils ont dû s'enfiler une sacrée quantité de vin. T'as vu tous les cadavres? Waouh. En tout cas, c'est plein d'ordures ici. J'ai l'impression que quelqu'un a voulu rapidement boucher l'accès à cet endroit. Et il a fallu que Pierre mette les pieds dans le plat. Non, qu'il aille au fond des choses. Bon. Quand vous aurez terminé avec vos jeux de mots, on pourra peut-être remonter, non? Vous pensiez quand même pas qu'on allait vous laisser tout seul? Désolé, Béné, pas de traces de sanglier. Par contre, il y avait 2 ou 3 beaux... des rats. Ah! Et une belle décharge. Enfin, je sais pas si on aura l'explication de ce trou, mais c'est quand même très étrange. On peut y aller maintenant? Surtout s'il y a des rats. Ah, t'as raison, Béné. D'autant plus que j'ai l'impression que ce raccourci va finalement nous retarder. C'est par là. Moi j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a là-haut. Bah pourquoi pas, ouais. Allez, c'est parti. Ah vous voilà, vous. Tu veux de l'aide, Catherine? Oui, tiens, prends-moi le piquet. Et Charles, tu peux remplacer Grégoire? Ok. Alors, où étiez-vous passé? On avait presque déclenché le plan épervier. Ouais, mais figure-toi que je suis tombé dans un trou tout à l'heure. Une espèce de salle souterraine encombrée de fils barbelés et d'ustensiles de cuisine. Véritable dépotoir. Tu n'as rien au moins, hein? Non, t'inquiète pas. Pas la moindre égratignure. Sans doute une cagna, oui. Une quoi? Une cagna. Il vous expliquera ce soir à la veillée. Bon, bah je crois que vous pouvez rejoindre vos équipes qui vous attendent pour monter le bivouac. Elles ont déjà reçu toutes les instructions. Dépêchez-vous. Bon, je te charge des relations diplomatiques. Pour une fois, je vais pas rechigner à faire le service de bois. Mais je trouve que t'en fais vraiment toute une histoire de ces filles. Elles ont juste un humour un peu particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais à force d'y goûter, tu vois, j'ai fait une petite indigestion. Tu peux tendre un peu plus de ton côté? Ça va, Gaspard? Ouais, c'est bon. Et pourquoi est-ce qu'elle est fréquente? Elles ont pas vraiment le choix, elles sont dans la même équipe. Bon les gars, on a du pain sur la planche. Charles, tu sais monter une tente? Mais attention hein, une vraie, pas celle qui se déplie toute seule en l'air quand tu les lances. Une vraie. Alors là, je vous rassure, chaque été avec mon père, on part en rando, c'est son dada. Et le camping, c'est les doigts dans le nez. Et qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il avait un fort accent du sud et ça donnait quelque chose comme « mademoiselle ». Si vous pensez vous en tirer à si bon compte, c'est que vous ne savez pas comment je m'appelle. Tu sais ce qu'elle lui a répondu? Non. Effectivement, monsieur, j'ignore comment vous vous appelez. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Et je me suis levée et j'ai quitté l'amphi. Et là, le prof, il est resté médusé. C'est normal, pour un vieux prof de grec, tout décati. Et vous faites ce système de feu surélevé à chaque fois? Non, mais d'après Yves, ici, c'est obligatoire. Tiens, Anne-Claire, on va faire la réserve de ce côté. Pourquoi pas ici, c'est bien aussi. Non, j'ai prévu de faire une desserte. Bon, puisque tu as tout prévu. Je pense qu'on aura besoin de plus de bois, tu peux continuer à faire le service. Méné, tu viens m'aider? Vas-y, j'ai quasiment fini. Bah on peut dire que tu perds pas de temps pour les relations diplomatiques. Hein. Avec Charlotte? Ouais. Faut que t'apprennes à la connaître. Elle a beaucoup d'humour. Oui, enfin, j'en fais les frais à chaque fois. Sincèrement, je pense que tu te trompes. Bah, je demande à voir. Bah alors, mon Charlot, je croyais que c'était les doigts dans le nez, le montage de tente. Allez, les gars. C'est pas possible, ça marche pas. C'est un test pour novice. C'est un peu ça. C'est une vieille tente de récupération, aucun piqué correspond. Super sympa les gars. Et comment on va faire pour la monter? J'ai franchement pas intention de dormir à la belle moi. On a prévu de faire du froissartage pour remplacer les piquets. J'ai apporté un peu de matos. Du froid de quoi? Froissartage. Ouais, c'est une technique de construction en bois. C'est typiquement scout. D'ailleurs, on va te montrer. Tu prends là, tu serres. Ouais. Tu passes en dessous. Vous savez quoi? Non. Près du feu de veillée, il y a des grottes. C'est énorme. Des grottes? Enfin, ça ressemble plus à des carrières de pierre. Mais bon, Yves n'a pas voulu nous donner plus d'explications. Et peut-être qu'on en saura plus à la veillée. À table! Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons. À tous ceux qui ont froid et faim, donne la maison et le pain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. C'est très gentil à vous de nous avoir invités. Cela dit, Anne-Claire, inutile d'essayer d'en profiter. Tu ne sauras rien de plus avant la veillée de ce soir. Pour une fois qu'Anne-Claire n'arrive pas à voir tout ce qu'elle veut. Alors Bénédicte, comment commences-tu ce camp? Eh bien, avec beaucoup de curiosité. Bon, je dois vous avouer que j'ai un peu peur pour cette nuit. Surtout d'avoir froid et des animaux. Non mais Béni, t'as déjà pris 3 pulls dans ton sac. Bon, et puis après pour les animaux, d'après certaines, je ronfle comme un camion, ça devrait les faire fuir. J'ai l'habitude de dire à ceux qui viennent pour la première fois dans un camp, le camp sera ce que tu en feras. C'est-à-dire? Bien, tout camp demande des efforts, et si tu les subis, ces efforts, tu auras envie de partir très vite. Par contre, si tu les prends avec enthousiasme, tu découvriras la joie du vieux campeur. Et qu'est-ce que c'est, la joie du vieux campeur? Alors là, c'est très simple. Tu veux des exemples? Alors, ne plus te coiffer tous les matins, ne plus te brosser les dents tous les jours et sans que ça te pose de problème. Arrête. Prendre ton petit déjeuner dans la gamelle de soupe de la veille sans que le mélange te répugne. Te faire piquer par des moustiques toute la nuit sans pouvoir les écraser. Et remercier le bon Dieu pour toutes les créatures qu'il a créées. Non. Sérieusement? En fait, Bénédicte, au terme de ce camp, c'est toi qui nous diras ce que c'est que la joie du vieux campeur. Amen. Qui veut de la soupe? Depuis que vous êtes descendu du car, vous avez fait au moins 3 découvertes. D'abord toi, Pierre. Tu es tombé dans un trou.
au fond duquel il y avait une salle. Cet après-midi, vous avez tous visité des ruines. Et maintenant, vous voyez derrière moi des carrières. Nous sommes ici sur ce qui a été la ligne de front de la guerre de 14-18. Les carrières derrière moi ont servi de casernement, de cantonnement, d'hôpital même. Les ruines là-haut sont celles d'une ferme médiévale, Confrécourt, qui a été entièrement détruite par des combats au début et à la fin de la guerre. Et le trou dans lequel tu es tombé, c'est très certainement une cagna. Un abri situé contre la tranchée dans lequel les soldats venaient se reposer entre deux veilles, entre deux combats. Nous avons décidé de vous faire venir ici sur les traces. Les soldats qui sont venus à Confrécourt pour se battre, pour mourir souvent. Je ne cherche pas à faire l'apologie de la guerre, ni même à vous faire un cours d'histoire. Surtout pas à vous faire un pèlerinage macabre. Ce que je veux, c'est vous faire vivre un camp. Dans un lieu où tout est témoignage, où la moindre pierre est témoignage. Alors tout ce que nous ferons ici, nous ferons de notre mieux. Mais avec la volonté de le faire bien. Vous me suivez maintenant ? Des vestiges archéologiques spectaculaires. Ici, dans les carrières, les soldats venaient se reposer par période de 3 jours avant de remonter au combat. Ils ont laissé des graffitis, des inscriptions, voire des sculptures. Lorsqu'ils venaient se reposer, les soldats étaient capables de redevenir des hommes. Ils pouvaient laisser des marques, ils pouvaient se divertir. Regardez ces cartes. Et ce portrait-là, qui est-ce ? Oula, je sais pas, mais il a l'air sévère, dis donc. Et là-bas ? Oh, et là, regarde, on a le droit à une femme. On dirait Marianne. Le propriétaire est un ami. Nous sommes ici dans une des chapelles du front. Il y en a plusieurs comme celle-ci qui sont disséminées dans ces carrières. Et celle qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celle-ci. Le prêtre qui officiait ici était le père Paul Donker. Est-ce que ce nom dit quelque chose à l'un ou à l'une d'entre vous ? Il a écrit les chants scouts, non ? Entre autres,
et après la guerre, il a été l'initiateur de la route. Dans le fond, si tu es ici ce soir, c'est un peu grâce à lui. Pendant la guerre, il s'est engagé volontairement pour être aumônier militaire. Il a tenu à accompagner tous ces jeunes gens qu'on envoyait à la boucherie. Pour se battre ? Non, mais pour être un témoin du Christ au milieu de l'enfer de la guerre. C'est pour cela que le père Doncoeur s'est consacré à la jeunesse après la guerre. Pour que le sacrifice de leurs aînés ne soit pas vain. Il demandait toujours aux routiers de votre âge, « Les jeunes, ça suit ?» Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et cet escalier ? Il accédait directement aux tranchées. Le père Doncoeur bénissait ici les soldats qui montaient vers le front. Chacun savait qu'un sur trois n'en reviendrait pas vivant. Tu as froid ? Tu veux ma veste ? Non, merci. C'est cet endroit qui me donne des frissons. Tu imagines ? Ils avaient notre âge. J'ai perdu mon portefeuille. Tu veux que je t'éclaire ? Non, mais ça sert à rien. Il était dans la poche arrière de mon pantalon. Oh, j'ai dû le perdre quand on était dans la cagna. Mais t'y aller. Quoi, maintenant ? Ah oui, j'ai une bonne lampe. Ah ouais, pourquoi pas. Antoine, tu viens ? Non, je suis mort de fatigue. Je préfère rester. Demain, je dis pas non. Je croyais qu'on était là pour vivre une grande aventure. Alors Antoine, tu te dégonfles ? Et en plus, ça nous rappellera les grands jeux que les chefs nous faisaient la nuit. Non, désolé les gars, là, je suis trop crevé. Grégoire ? Oui ? Oh non. Bon. Si jamais on n'est pas rentré demain matin, vous appelez les secours. Ok. Allez. Bonne nuit, les marmottes. C'est quand même bizarre de se dire qu'on est les premiers à pénétrer ici depuis près de 100 ans. Tu crois qu'on peut trouver des choses intéressantes ? Je sais pas, mais je sens curieux là. Hé, regarde ici. Les gars ont inscrit leur nom et sans doute leur date de présence dans les tranchées. Un fusil. Oui. Ah, il est là, c'est bon. Un peu plus et cette foutue bestiole me le bouffait. Tiens. Pierre, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé des lettres. Des cartes. Oh. Jean-Joseph de Lourme, 35e régiment d'infanterie, secteur de Confrécourt.
Ici, c'est signé Marie-Anne. Ça doit être sa femme. Tiens, tu as tué différente là. C'est là, c'est tellement passionnant. Mais prends-les. Prends-les, on les verra demain. Pauvre Maiden ne peut pas fermer l'œil de la nuit. C'est pas sympa. Oh, arrête! Faut bien qu'elle ait des exploits à raconter à son retour, non? Visiblement, certains ont mal dormi. Béné a entendu du sanglier toute la nuit. Eh bien, Bénédicte, tu inaugures bien ton premier camp. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est comme ça la première nuit. Demain, ça ira mieux. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, le service est assez physique. Ce soir, pour la veillée, j'aimerais que certains d'entre vous préparent une petite scénette sur le lieu où nous sommes. Anne-Claire, ça te dit? T'es vraiment sûr du thème? Moi, ça me semble un peu compliqué. Mais non, on n'a qu'à faire une reconstitution de garde tranchée. C'est pas vraiment ce que je souhaite. Je préférerais quelque chose d'un peu plus méditatif, tu vois. Je vous fais confiance, vous allez me trouver quelque chose de bien. Dis, la sonnette de ce soir, ça doit ressembler à quoi, en fait? Ah, à ce qu'on veut. Mais le thème est vraiment difficile à réaliser. J'ai peur qu'on soit complètement à côté de la plaque. C'est dur à rendre comme ambiance. Et si on utilisait les lettres qu'on a trouvées hier soir? Peut-être que ça collerait niveau ambiance. C'est une super idée. Il faudrait qu'on en parle à Anne-Claire tout à l'heure alors. Là-bas, vous apercevez une tranchée de la guerre de 14-18. D'autres scouts l'ont déjà déblayée. Ici, vous voyez le boyau d'accès à la tranchée. Eh bien, nous allons le déblayer. Mais t'as dit que tu voulais faire ni un pèlerinage ni un cours d'histoire. Elle est mieux enterrée, cette tranchée. Pourquoi la dégager? On risque pas de trouver des cadavres en creusant ici? Je peux te rassurer, il y a très peu de risques de trouver des cadavres ici. Après la guerre, les soldats allemands, prisonniers de guerre, ont nettoyé les tranchées puis les ont comblées. Quant à toi, Grégoire, il est important de garder des souvenirs concrets de la guerre de 14-18. Alors, il y a d'autres associations. Elles œuvrent à conserver la mémoire des soldats qui sont morts ici, au champ d'honneur, pour défendre la patrie. Mais nous, nous n'avons que nos mains. Alors, nous creusons. En somme, cette tranchée, c'est juste un symbole. On a déjà les carrières, non?
C'est vrai. Et il y aura ce boyau. Bon alors, on y va ? Eh ben Claire, tu nous as fait une belle descente. Ça va ? Oui, oui, ça va. Attends, laisse-moi regarder. Eh ben je crois que t'en es quitte à ce qu'on aille voir le toubib du village. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est tombée. Je pense que c'est une belle entorse. Au moins, je pourrais plus te demander d'aller faire le service de bois. Est-ce que tu crois vraiment que tu te trouveras sans moi ? Il faut l'emmener chez le médecin. C'est vrai que c'est beau une fois terminé. Qu'est-ce qu'on va en faire quand on va partir ? On va la démonter. C'est trop bête. Mais non, faut pas dire ça. Regarde, à chaque fois qu'on s'installe, on fait quelque chose de beau, de confortable. Et puis, une fois le camp terminé, bah on démonte tout. Tu sais, ça nous permet de mieux apprécier le confort dans la maison. Ouais. Bon, maintenant qu'elle est terminée, que diriez-vous d'inviter les filles pour l'inaugurer ? Très bonne idée. D'autant plus qu'Anne-Claire devrait arriver avant le repas. Charles, tu veux y aller ? Ok. Alors Anne-Claire, tu vas rentrer chez toi ? Non, 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 t'inquiète pas. J'ai vu le médecin et finalement ce n'est pas une entorse. Il faut juste que je fasse attention aujourd'hui et je pourrai retirer mon attelle demain. T'en fais pas, on va être petit soin pour toi. Au fait, merci pour tout à l'heure. Ça m'a permis de mettre en pratique mon brevet de secourisme. Bon, maintenant que vous êtes au complet, on a fini notre table. Ça vous dirait de venir déjeuner ? Mais avec plaisir, n'est-ce pas les filles ? On va préparer notre part chez nous et on se rejoint dans une demi-heure. Parfait, à tout à l'heure. Qui veut du thé chaud avant d'aller à la vaisselle ? Merci. Moi, s'il te plaît. Alors, à part Anne-Claire qui est dispensée, qui vient faire la vaisselle avec nous ? Nous trois. Ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? Merci. Alors cet après-midi, c'est course d'orientation pour découvrir les lieux historiques. Une course ? On va devoir courir ? Ça, c'est un peu le principe. Mmh. On court et puis on s'oriente avec une carte et une boussole. Rassure-toi Béné, on a toutes nos chances. Il suffit de savoir faire preuve d'intelligence. C'est vraiment dommage que je puisse pas venir avec vous. Mais tu sais, tu vas pas t'ennuyer et je te rappelle qu'il faut que tu fasses la scénette de ce soir. M'en parle pas, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais bien pouvoir faire. Bon, vaisselle ? Ouais. Pour la vie de ce soir, c'est peut-être une idée. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? On a trouvé ça dans la cagna cette nuit. Cette nuit ? Ouais. En fait, juste après la veillée, on a dû y retourner et j'avais perdu mon portefeuille. Et vous êtes retournés tous les trois ? Non, Antoine n'a pas voulu nous accompagner. Vous avez trouvé d'autres trucs ? Non. Non, rien d'intéressant. Non, non. Faudrait peut-être les montrer à Yves. Ouais, mais tu sais, Charles les a lus hier soir. Et il pense que ça pourrait être vraiment bien pour la veillée. Peut-être qu'on pourrait les lui donner après. Mais j'y pense. Quand vous êtes revenu cette nuit, vous ne seriez pas par hasard passé par notre tente pour vous amuser ? Alors là, Anne-Claire, je vois absolument pas ce que tu veux dire. Mais bien sûr ! Bon, ça te va les cartes ?
Dès qu'on rentre dans la course d'orientation, on organise ça avec toi, ok? Ok. De carrière sur cette route, mais pourtant bien du côté allemand. Bah oui, bon, on cherche. Attendez, c'est pas par ici? Oh. Ça fait bizarre de se dire qu'ici c'était une frontière. Ouais, quand on pense que des milliers de personnes se sont entretuées pour ce lieu. Angélique, on cherche quoi ici? Le nom du régiment allemand qui s'est battu à cet endroit. Hé, hey, c'est pas ça là-haut? Königin Hölle. Ah bah ça va pas nous avancer des masses. Je comprends rien à l'allemand. Je peux traduire si tu veux. Ça se traduit comme la caverne de la reine. En fait, ça doit vouloir dire que le régiment qu'on cherche depuis tout à l'heure, bah, c'est le régiment de la reine. Mémé! Grâce à toi, on va être les seuls à avoir la traduction. Ouh, trop bien. Alors on file. Allez. Vite, on a une course à gagner. Je ne comprends pas. On devrait être sur le point numéro 7 et je le vois pas du tout là. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche le mess des officiers. On doit récupérer le nom du colonel qui commandait le régiment. Normalement, d'après la carte et les courbes de niveau, le mess devrait être juste derrière cette colline. Enfin, celle qui est... Là, juste là. Allez. Vous savez se camoufler, les officiers. Je crois que je l'ai. Colonel Revoul. Charles ? Ouais. T'as le temps ? On est à 21 minutes. Ok. Antoine, c'est quoi le prochain point? Attends, Pierre, y a pas le feu, on peut quand même prendre le temps de visiter. C'est quand même extraordinaire d'avoir une telle construction en plein milieu de la zone de fond. Oui, mais vous voulez pas gagner la course d'orientation? Si, mais on ne peut tout de même pas passer à côté de tous ces vestiges. Ok, vous avez raison. Voilà nos réponses. Et vos cartes et boussoles. Et vous n'avez pas trouvé l'inscription allemande? Nous, on l'a. Et... Je te confirme que toutes les réponses sont bonnes, Charlotte. Alors là, un contrôle antidopage s'impose. Hein. J'aime. Mais non, soyons pas mauvais joueurs. Elles sont juste plus malignes que nous, c'est tout. Ah bah oui, les gars. Les femmes sont souvent plus rusées que les hommes. On a surtout la chance d'avoir une bilingue parmi nous. Vous avez mérité votre goûter.
On se retrouve à l'intendance et ensuite vous préparerez la veillée de ce soir. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On a gagné la course, bien sûr. Et sans Véné, on aurait perdu. J'ai fait que traduire quelques mots d'allemand. Mais c'est super. D'autant que t'avais une revanche à prendre sur les garçons. Comment ça, sur les garçons? Bien, j'ai de bonnes raisons de penser que les fameux sangliers de cette nuit n'étaient pas si sauvages que ça. Ça veut dire quoi, ça? Je soupçonne Pierre et Charles de jouer les solitaires en pleine nuit. Quoi? Me faire ça à moi? Non mais ils vont voir comment je m'appelle. Non. Si j'étais toi, Béné, j'en ferais rien. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai une autre idée. Hello. Bienvenue aux perdants. Allez, hop, 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 hop. On vous laisse travailler votre scénette. Nous, nous avons le service de bois pour ce soir. Bon courage. Je sais pas pour vous, mais franchement, son côté triomphant ne me revient pas, là. C'est peut-être parce que tu as mal digéré le fait d'avoir perdu la course d'orientation. Oui, mais nous, oui. On a explosé les chronos. Ouais. Okay. Bon, les gars, on s'y met à cette veillée. Ouais, t'as raison. Alors, Anne-Claire, comment avance notre petite scénette? Elle avance bien, très bien même. On n'a plus qu'à la mettre en scène. Voilà ce que je vous propose. Maintenant de faire un saut de près de 100 ans en arrière. Nous sommes toujours ici, à Confrécourt, mais en pleine guerre. Autour de nous, c'est l'effervescence. Nous sommes dans une carrière un peu à l'arrière de la ligne de front. Régulièrement, on entend le canon, les tirs sporadiques. Dans un coin, à l'écart de soldats qui jouent aux cartes ou qui se réchauffent près du feu, un homme écrit. Confrécourt, le 20 mars 1915. Ma petite Marianne, ma petite femme, j'ai quelques instants à t'accorder. Je reviens du front et je suis en repos pour 3 jours. Je suis épuisé par ces jours de veille. En plus, il n'a pas cessé de pleuvoir. Je suis trempé jusqu'aux os. Tout à l'heure, quand j'aurai fini de t'écrire, j'irai comme les copains me réchauffer près du feu. Belfort, le 30 août 1914. Mon Jean-Joseph, ça y est, la moisson est terminée. Heureusement que nous nous y sommes tous mis, toutes les femmes avec les anciens. Ça n'a pas été aussi vite qu'avec toi et les voisins, mais nous sommes fiers de nous. Nous sommes arrivés au bout du travail. J'aime relire toutes tes lettres. Elles me font du bien, surtout quand je suis dans la tranchée. Je les connais par cœur et me les récite quand je n'ai plus le moral. J'aimerais te serrer dans mes bras. Pierre aussi me manque. Il me tarde de vous retrouver. Je ne sais pas encore quand on nous donnera notre première permission. On les attend tous avec impatience. Belfort, le 20 février 1915. Mon cher Jean-Joseph, je me chauffe dans l'âtre comme tu aimes à le faire. Notre petit Pierre ne cesse de demander où tu es. Il a grandi cet hiver.
Déjà, je suis obligée de rallonger ses vêtements. Mais je pense qu'il va me falloir en faire des neufs. Je ne vois plus goutte à t'écrire à la chandelle. Mais c'est le seul moment de la journée où je peux le faire. De tout mon amour, Marie-Anne. Surtout que le travail ne manque pas. Je me demande comment tu fais pour tout mener de front. Ah, cette maudite guerre n'est pas prête de s'arrêter. Encore hier, j'ai fermé les yeux d'un copain. André. Il était un peu plus jeune que moi. Même s'il y a beaucoup moins de morts qu'au début, chaque jour, il y en a de nouveaux. Belfort, le 12 mars 1915. Mon très cher Jean-Joseph, à chaque instant je pense à toi. Je te revois le jour de ton départ, chanter avec ceux de ta classe. Autour de chez nous, déjà l'on compte plusieurs veuves. J'ai peur. Je prie tous les jours pour qu'il ne t'arrive rien. Donne-moi souvent des nouvelles. Je t'aime. Ta petite Marie-Anne. Petit Pierre et moi t'embrassons. Dans ta dernière lettre, tu me dis avoir peur. Je te demande de garder la foi et de ne pas avoir peur. Tu dois être forte, en effet, pour tenir la ferme et élever notre fils en mon absence. Aujourd'hui, c'est le jour du printemps. J'ai vu tout à l'heure une petite fleur des champs. Je pense que nos prairies en sont recouvertes, elles aussi. Il faut que je te laisse quelques instants. On vient de me nommer pour aller chercher la soupe. C'est ainsi que s'achève la correspondance de Jean-Joseph de Lourdes, soldat au 35e régiment d'infanterie. Nous te confions, Seigneur, cette terre où tant d'hommes sont morts. Fais que leur sacrifice ne soit pas vain. Mais qu'au contraire, la paix remplace à jamais la guerre. Accorde à ces soldats le repos éternel. Ainsi qu'à ceux qui les ont pleurés. Voilà pour le programme du reste du camp. Je pense que nous pouvons consacrer encore toute une après-midi au service. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est entendu alors. Bien. Avant de nous rendre au village pour la messe, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Anne-Claire, je voudrais te remercier pour ce que vous nous avez présenté hier soir. Ça m'a beaucoup touchée, sincèrement. Merci. Bah, j'avoue que c'était un petit peu le but parce que ça nous a vraiment, vraiment bouleversé ces lettres. C'est vrai, c'était beau. Yves, Charles et Pierre ont trouvé les lettres dans la cagna. On va te les donner parce que peut-être que Jean-Joseph et Marie-Anne ont des descendants qui aimeraient connaître cette correspondance. Merci. Et puis on voulait vraiment te remercier de nous avoir fait découvrir ce lieu. Thank you.
C'est le président de l'association qui gère les sites de la guerre de 14. Alors d'abord, il vous remercie de lui avoir confié votre découverte. Et puis maintenant, il va faire tout son possible pour trouver les descendants des destinataires des lettres. Donc ici, sont enterrés 3000 soldats. 3000 soldats, c'est 3 jours de guerre. Au fond du cimetière, un ossuaire. Tous les cimetières français sont dans le même caractéristique. Donc un ossuaire, il y a à peu près 1000 soldats, dont les corps ont été récupérés, mais on n'a pas pu avoir de nom. Bon, vous m'avez donné des lettres d'un soldat, dont j'ai fait une petite recherche. Il est bien enterré ici à Vic-sur-Aisne, et on va aller, bien sûr, se recueillir devant sa tombe. Voilà, c'est lui. Tu imagines? Ils avaient notre âge. Histoire. Moi, les chemins de traverse, c'est défini. J'arrête. Non. Pourquoi? Au contraire, avec toutes les expériences qu'on a vécues, moi, les chemins de traverse, maintenant, je les prends et je les suis. Ça y est, tu vois, contaminé. Oui, mais attention, vous avez mis la barre haute. Je vais être très exigeant maintenant. Avant de planifier votre prochaine aventure, vous vous rappelez que vous venez déjeuner chez nous tout à l'heure, avec le padré? Ah, y a pas de problème, hein. Dès qu'il s'agit de mettre les pieds sous la table, moi j'en suis. Ouais. Surtout que tu seras pas déçu, Pierre, hein. Ah. Visiblement, nos installations n'ont pas supporté le poids de nos deux affreux sangliers. Eh ben, félicitations, Béné. Mais tu peux quand même avouer que, grâce à nous, tu auras quelques histoires de sangliers à raconter. Non, Pierre. J'ai beaucoup mieux à raconter. C'est vrai. Au fait, Bénédicte, as-tu trouvé ce qu'est pour toi la joie du vieux campeur? Oui, Père. Je crois que la joie du vieux campeur, c'est vivre pleinement l'instant présent au milieu de ses amis. Avec Dieu dans son cœur. Oui. Bon alors, on mange? Oui, ça fait qu'on est venu, non? Merci. Allez. Merci. Il faut plus que jamais resserrer les liens, l'amitié, qui est le seul moyen humain de notre action commune. Ceux qui renonceraient à cette amitié serrée, c'est comme qui abandonnerait la colonne marchande de la route. Thank you.
C'est avant tout une aventure humaine qui nous réunit tous, qui fait que le scoutisme va grandir. Aujourd'hui, on a besoin des autres. Il faut qu'on retrouve ce besoin-là. On fait un camp d'aînés scouts qui réalise un film. Et je crois que c'est là qu'est tout le défi. Cinq amis étudiants se retrouvent pour camper avec d'autres scouts et guides. Et ils découvrent cette histoire de Confrécourt, de cette guerre. Je trouve ça complètement dingue et limite inconscient. L'un des scouts d'Europe de vouloir faire un long métrage. On s'imagine pas, rien qu'en regardant un film, tout le travail que ça représente. On a compris que ce lieu était extraordinaire. Je me suis dit que c'était une belle aventure, certainement à tenter. Je trouve que toutes ces petites rencontres sont extraordinaires. Ce sera beau de toute façon, ça j'en suis convaincu, par le fait même que la beauté vient des personnes qui s'offrent complètement dans ce qu'ils font. Il y a 2 ans, c'était le cinquantenaire de la mort du père Doncoeur. Donc on voulait faire une route chantante sur ce thème parce qu'il a apporté au scoutisme. Et nous, nous en sentons héritiers. Les premiers routiers du père Doncoeur menaient sans doute à peu près la même vie que la nôtre. Donc on lui doit ça, on voulait lui rendre hommage, pas comme un tableau d'honneur, mais en vivant ce qu'il nous avait apporté. Le père Doncoeur a su trouver dans l'homme de 20 ans tout un tas de valeurs riches qui aujourd'hui nous façonnent, nous, la route du scout d'Europe. Et lié à ça, il y a toute cette période du chant en France, le chant qu'il a mis en place, qui fait que, entre la route chantante, entre la route elle-même, les guides et les routiers, ce personnage et ce lieu devient un lieu de ressourcement. Cette croix de Confrécourt rassemble au nom du Père et du Fils. Donc on a quelque chose à transmettre de ce qui a été vécu en 14, de ce qui est vécu aujourd'hui, en prenant un exemple ou en prenant une base, un point d'appui sur ce prêtre. Mais en même temps, par rapport à ça, je travaille sur le sens de la beauté. Il ne faut pas que l'on chante bien à quatre voix et que de l'autre côté, on mange comme des sagouins. Voilà. Donc il faut que tout soit lié, nos temps de prière, notre façon de vivre ensemble. Et à partir de là, on s'aperçoit que la vie scout devient vraiment belle et agréable. Elle porte quelque chose d'autre, de plus important. Très souvent, à la fin d'une route chantante, on dit que c'est une école de vie, quelque part. Elle donne aussi un esprit, elle donne aussi un style aux chefs et chefs qui sont présents. Ils ne reviennent pas indemnes d'une route chantante. Ils gardent dans la tête cet idéal qui se véhicule, ce sens du beau, ce regard sur les autres, sur la nature. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça rejaillit sur l'ensemble du scoutisme. Moi, j'avais lu le livre de Jean-Luc Pamard, Le paysan des poilus, qui raconte l'histoire de cette terre pendant la Première Guerre mondiale et puis les traces qui y sont aujourd'hui toujours. Cette ferme en ruine, les carrières, les soldats morts qu'on retrouve encore aujourd'hui, etc. Donc ce livre racontait ça et m'a beaucoup touchée. Je l'ai prêté à Jean-Luc, qui en a aussi été ému, je crois. Donc on est venu ici il y a 2 ans. Et on a été vraiment... je crois, on peut dire, bouleversé par ce que porte ce lieu, l'histoire des hommes qui ont vécu ici. Et en même temps, cette année, ce sont les 20 ans de la route chantante, donc on cherchait un projet fort. C'est né d'un seul coup, comme ça, d'un coup de téléphone. On venait de vivre les deux routes chantantes, on venait de rencontrer Jean-Luc Pamard, ce site, et ça a fait une grande boule, d'un seul coup, ça fait un grand cercle. Tout s'imbriquait. On a rencontré Tanguy, on l'a amené sur le lieu, il a aussi été touché. Et du coup c'est parti, et pendant un an, donc on a bâti le scénario avec Tanguy, on s'est rencontré plusieurs fois. Rien que par leur explication, c'est vrai que ça m'a intéressé, ça a titillé ma curiosité. Et donc en décembre, on est venu, on était une dizaine et on est venu ici, on a rencontré Jean-Luc Pamard, on a compris que ce lieu était extraordinaire. Je voulais que ce soit un projet partagé. Je ne me sentais pas moi-même capable tout seul de mener un truc comme ça. Donc je voulais que ce soit porté par plusieurs. Et en fait, tout le monde a adhéré tout de suite au projet, en se promenant dans les lieux, en voyant. Et ensuite, c'est parti, quoi. Certains étaient partis sur une reconstitution de la guerre, d'autres sur vraiment une histoire scout. Donc on a essayé de,
de faire une histoire qui ait conscience de nos moyens, parce qu'on ne pouvait pas non plus partir dans une reconstitution, c'était absurde. Donc on a fait une histoire scout, mais on essaye quand même d'évoquer un peu cette guerre de 14-18, parce que voilà, on va commémorer les 100 ans. Donc tout ça, c'était en filigrane, et cette histoire de Confrécourt aussi. Cinq amis étudiants sont habitués de se retrouver pour vivre des choses ensemble, et puis un jour, il y en a trois parmi eux qui sont déjà guides et scouts, et donc ils doivent participer à un week-end ou à un camp intermaîtrise, et puis ils proposent à leurs deux amis qui ne sont pas scouts ni guides de les accompagner, et donc ils vont découvrir qu'en fait ils sont sur un lieu d'histoire, un lieu de guerre, puisque c'était la ligne de front en 14-18. Ils sont amenés là par un commissaire de district qui leur fait découvrir des carrières qui ont été sculptées par les soldats. Et finalement, nos cinq compagnons vont découvrir des lettres de poilus qui vont leur faire découvrir d'abord un soldat fictif. Mais ce soldat fictif nous permet de nous approcher d'un autre personnage qui est le père Doncoeur, qui était aumônier ici, à Confrécourt. Et donc, par ce biais, on devine un peu le personnage du père Doncoeur. Avec Tanguy, il a fallu qu'on se rencontre. Et que lui n'a jamais fait de route chantante, qui plus est. Donc c'était encore pour moi une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il fallait qu'il rentre dans ce... non pas dans le film lui-même, le scénario avec son histoire, mais qu'il incorpore aussi notre style, notre façon de penser, d'être, dans ce scénario. Et il a bien compris. Alors c'est là aussi, je remercie le scoutisme en général. Cette unité qui nous anime, parce que le style que l'on possède à la route chantante, il n'est pas qu'à la route chantante. On le voit dans le regard de nos chefs, par ailleurs. Ça aussi, ça fait partie des choix des personnes pour monter ce film. Ce n'est pas uniquement... il est bon en technique, c'est son domaine, allez, on y va. Il y a aussi derrière un personnage qui a une profondeur, qui a un regard droit, qui est plein d'espérance. Pour les acteurs, eh bien ça a été dur. Parce qu'on n'avance pas sous forme de casting dans les faits, enfin dans le mouvement. On ne dit pas on va prendre 12 personnes et puis on va choisir la meilleure. Donc on ne voulait pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas notre idéal ça. Donc on avait des noms, on avait des prénoms, on avait des images, on avait des personnes qu'on a rencontrées au fur et à mesure de nos routes. Et on s'est dit, un tel ce serait bien. Voilà. Mais s'il ne pouvait pas, il aurait fallu choisir un autre tel, etc. etc. Quand j'ai écrit l'histoire, les personnages, je ne connaissais aucun des acteurs qui les jouent aujourd'hui. C'est Marie de Bonaventure et Jean-Luc Dassas qui connaissent énormément de monde, qui ont pu me proposer un certain nombre de guides aînés ou de routiers qui pour eux étaient capables de jouer ces rôles. On a Anne-Claire qui est un peu la chef de bande, la meneuse, une jeune fille bien dans sa peau et puis qui sait ce qu'elle veut. C'est un personnage assez complexe parce que à la fois c'est un peu une meneuse, une chef de bande, et à la fois elle n'est pas forcément très très sûre d'elle. Elle a tendance parfois du coup à avoir des a priori ou des préjugés sur certaines personnes, par exemple qu'elle a pu fréquenter pendant sa vie scout, notamment avec Charlotte. Et du coup ça lui donne un petit côté un peu autoritaire parfois. C'est un caractère qui est assez proche du mien. Et du coup ça permet de vraiment me mettre dans la peau du personnage. Je vous présente Bénédicte. Béné, qui elle est une étudiante plus naïve, qui veut découvrir, qui est joyeuse et puis qui part dans l'aventure sans se poser de questions. Donc c'est la fille qui ne fait pas du tout de scoutisme. Ce qui est rigolo, c'est que quand les rôles ont été déterminés, être Bénédicte, ça me paraissait complètement impossible. Parce qu'elle est fille unique, parce qu'elle n'a jamais fait de scoutisme, ni l'un ni l'autre, c'est pas mon cas. Et bizarrement, je me retrouve bien dans la peau de Bénédicte. Et puis j'ai trouvé que de mettre dans la peau de quelqu'un qui ne faisait pas de scoutisme, c'était très intéressant parce que ça permet de comprendre comment les personnes qui sont extérieures au scoutisme peuvent vivre ça. C'est vivre pleinement l'instant présent au milieu de ses amis. Félicitations Béné, mais tu peux quand même avouer que grâce à nous, tu auras quelques histoires de sangliers à raconter. Pierre, qui est le plus caractéristique si on veut, du routier toujours joyeux aussi, un peu bougon parfois, et puis en tout cas qui essaye de donner du piment un peu dans les relations. Dans l'histoire, Pierre est un personnage qui est décrit comme grand, baraqué, taciturne, tout à fait moi, surtout sur baraqué. Avec Anne-Claire un peu le meneur du groupe,
Donc c'est pas facile à jouer comme personnage. Mais c'est marrant aussi dans le sens où on découvre aussi les facettes du cinéma, où on n'est pas toujours obligé de jouer un personnage qui nous ressemble en soi. Et ça permet aussi d'ailleurs de pouvoir plus se concentrer sur les répliques pour essayer de coller plus au personnage. Voilà nos réponses. Antoine qui est un peu plus suiveur que les autres, mais qui est un peu le pendant de Bénédicte dans cette histoire. Il dit ce qu'il pense naturellement, il va pas s'embêter à faire des longs discours. C'est quelqu'un de motivé, qui est content d'être là. Moi, un côté rigolo, un peu blagueur. Moi, au départ, je me trouvais un peu proche plutôt du personnage de Pierre, dans le tempérament. Et en même temps, vu que j'ai un tempérament un peu sérieux, un petit peu plus réfléchi, ben je pense que j'ai apporté un peu une profondeur au personnage d'Antoine qui pouvait être joué aussi un peu de façon superficielle, tout le temps dans la rigolade, dans l'excès, et je pense que voilà, j'apporte un bon compromis. Et on a Charles, un étudiant qui lui ne connaît pas le scoutisme, et puis qui va traîner un peu les pieds pour venir, et puis qui finalement va trouver son compte. Charles, c'est un garçon qui est en fait de lettres, assez un peu de lui-même, et il aime bien... bien présenté de manière physique et vestimentaire, propre sur lui. Voilà. Il est assez matérialiste. Il se démotive assez facilement face aux difficultés, mais ne veut pas laisser ses camarades voir cette démotivation. Il s'est fait un peu chambrer. Finalement, je pense qu'il sort son épingle du jeu. Le choix des techniciens, on voulait que ça reste scout, donc on prend des scouts, donc on prend pas des professionnels. Certains se sont présentés, on leur a dit ben, il n'y a pas de cachet, vous n'êtes pas payé. Donc là c'était plus dur, voilà. Donc on leur a dit ben non, voilà, c'est pas possible, faut que ça reste bénévole. Et 18 jours bénévole, faut quand même vouloir. Hein. Puis il n'y a pas que 18 jours, là on parle de l'été, mais dans l'année ça a été pris. Il y a eu quand même des temps où les uns et les autres étaient mobilisés. C'est notre histoire, voilà, on l'a rebâti avec nos pauvres moyens. Ce sera nos choristes. C'est nos chanteurs qui ont chanté, ce sont des scouts, ce seront nos musiciens, ce sont nos preneurs de son. Alors c'est pas de la fierté, c'est pas de l'orgueil mal placé. Simplement, c'est une histoire entre nous. Et en même temps, on a le même langage. Il faut imaginer que quand on est en train de faire un enregistrement, on n'a pas un professionnel qui est sûr de son coup, qui arrive et qui nous dit « Attends, mon petit gars, t'es gentil, mais le micro, on va le placer là et tu touches pas. » On n'est pas là-dedans. Le preneur de son va venir aussi en s'excusant. « Excuse-moi. T'as mis le micro là, je t'explique pourquoi. » Et parce qu'on est scout, voilà, on sait qu'on n'est pas professionnel et on sait qu'il faut expliquer les choses pour qu'on les comprenne, pour qu'on puisse poursuivre. Ce qui est sympa aussi, c'est que l'orchestre soit venu, que ce soit un orchestre franco-allemand. C'est-à-dire qu'on a demandé aux Allemands de venir nous filer un coup de main, quelque chose comme ça qui réunisse nos deux pays, c'est génial. On a commencé au début de la semaine par faire des répétitions avec plutôt du travail de détail, en répétant pupitre par pupitre. Et puis ensuite, on a mis en commun à la moitié de la semaine pour pouvoir après faire des enregistrements. C'est assez différent de ce qu'on fait d'habitude au Scout d'Europe. Ça nous permet d'avoir des musiques très différentes et puis d'avoir une histoire qui est racontée derrière cette musique. Quand Tanguy a écrit son scénario, il avait déjà un petit air qui trottait dans la tête. Je suis parti de cette mélodie et du coup je me suis dit que cette musique devait à la fois parfois être bien amusante et puis à la fois une grande profondeur, une musique qui développe des... Enfin, on vibre à l'intérieur quoi, quand on entend. Les musiques sont vraiment belles, elles correspondent à l'atmosphère, à ce qu'on en a eu envie de tourner aussi avec Jean-Luc. Pour les chants particulièrement, en fait Tanguy, dans le scénario, il a mis un chant scout s'élève sans autre précision. Donc moi je lui ai proposé des chants de notre répertoire, du Haut-Darry. C'est la cigale et le grillon qui les ont enregistrés, donc ce sont des chorales constituées. La cigale est une chorale de Guy Dénay et le grillon une chorale de Routier, donc qui existe depuis 20 ans, qui fêtait aussi leur anniversaire. Et on a fait un grand week-end à la Pentecôte, donc on devait faire de toute façon un week-end de route et de chant. Et pendant ce week-end, on a travaillé ces chants-là en particulier, qu'on a enregistrés. On a gardé l'idée de voir un moment, non pas une multitude de soldats, mais au moins un soldat, et puis le Perdoncœur. D'avoir cette image du Perdoncœur
qui soit là, au début et à la fin. Donc il fallait tourner une séquence dans les tranchées. Alors, on avait la possibilité de la tourner ici cet été pour bénéficier des lieux. On a encore des tranchées qui existent, donc on aurait pu les utiliser. Mais on n'aurait pas eu le temps de le faire. Donc on a pris le parti de le faire à Derval. J'ai fait venir un tractopelle, puis on a creusé un trou. Alors j'explique rapidement au chauffeur, voilà, il faut 1m50, c'est une tranchée de 14. Il ne comprenait pas trop ce que je voulais dire. Et puis du coup, on a aménagé cette tranchée, un peu comme on l'imagine, nous. On a acheté deux caméras professionnelles avec différents objectifs pour avoir différentes valeurs de plan, pour avoir, disons, une souplesse de tournage sur place. On a investi aussi pour faire des mouvements de caméra. Donc ça, c'est Pierrick et Annelise qui ont gentiment, avec beaucoup de talent, fabriqué une grue, un travelling qui nous ont pas mal servi quand même. Donc entièrement fait main. Donc c'est vrai qu'on a dû pas mal bricoler. Les différents talents de la GSE sont mis en action et ça a permis d'avoir du matériel très inspiré de matériel professionnel, mais fait maison. Et puis après, il a fallu investir dans quelques projecteurs. Et puis du son, forcément, un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ce sont des scouts exclusivement. On voulait quelque chose de rock, quelque chose de festif, quelque chose qui fasse bouger les jeunes. Mais quelque chose qui reste un chant scout à la base. Il y a le côté festif, le côté qui va avec la musique. Des gestes qui suivent la musique, si ça glisse, si ça saute, etc. Et en même temps, ça raconte une histoire. On commence voilà, tout petit, comme si on se réveillait, donc tête, on jaillit, on se recroqueville et paf, ça y est, la danse part, on prend le rythme, et après on y part. Ça a été difficile pour certains, mais ils sont tous enthousiastes. Il fallait réussir dès le début à se mettre dans l'ambiance de tournage. Rencontrer Charles, qu'on ne connaissait pas du tout. Ça n'a pas été dur en soi, parce que c'est adapté au temps qu'on avait. On a dû s'y reprendre plusieurs fois, on a bien rigolé, parce que bon, quand il faut tourner dans un sens ou dans l'autre, il n'y en a jamais deux qui font pareil, mais, mais voilà. On s'est foiré un nombre de fois pas possible. Et je pense que sur aucune des prises, on est bien. Il doit y avoir quelques passages qu'on peut rajouter, enfin mettre bout à bout pour que ça fasse bien. Mais... On en rigole tous ensemble. Et c'est à nouveau cet esprit qui fait que bah, on avance et qu'on en riant, quoi. On s'amuse vraiment. Il y avait une route chantante, comme tous les ans, qui aboutissait ici, qui était au début de... Enfin, fin juillet, début août. Puis il y avait tous les anciens des routes chantantes qui sont venus pour fêter ces 20 ans, pour découvrir aussi le lieu. Ça nous a permis de faire quelques séquences avec de la figuration. On avait des familles qui étaient très concentrées, assidues, qui ont bien su refaire les choses plusieurs fois et avec la même régularité. Donc ça a pu permettre de faire un plan qui est plutôt joli, plutôt réussi. J'interviens très peu pendant les répétitions, quoi. Sauf si vraiment il fait une mauvaise interprétation d'une phrase. Là, tout de suite, je dis non, c'est pas ça. Ou s'ils prennent un mot qui va à l'encontre de ce qu'a voulu dire le scénariste. J'attends qu'ils donnent des choses d'eux-mêmes et je suis une espèce de miroir pour eux. Voilà. Ce sont des détails devant la caméra, vraiment des détails. Elle est absolument géniale parce qu'elle vient nous voir à la fin de chaque scène pour nous dire ça c'était bien, ça c'était pas trop bien.
Elle nous guide sur nos postures, notre intonation. Et au niveau du jeu, elle a une super expérience théâtrale. Et du coup, elle peut nous donner un peu des pistes. Des fois, il y a certaines choses, on ne sait absolument pas comment les interpréter. T'as avancé d'un pas, toi t'as avancé d'un pas aussi. Un vrai arrêt, tu l'écoutes et tu repars après. Heureusement qu'elle est là, en fait. Bon, c'était le dernier plan d'Yves. Ouais. Bravo. Bon, quand est-ce qu'on mange? Et l'entendre sur le plateau est vraiment agréable. Il y a des liens qui se créent. D'un côté, il y a le camp scout qui est plutôt rustique à la base. Et d'un autre côté, il y a l'aspect très technique, très, très perfectionné avec les caméras, tout le matériel qui est très, très précieux. C'est un équilibre qui n'est pas très, très simple à trouver. C'est pas le camp scout qui se greffe sur le tournage. Les deux ne peuvent pas fonctionner indépendamment de l'autre. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on on est ensemble en permanence, qu'on participe à toutes les activités, tous les services, et que ça crée une solidarité formidable. Le scoutisme apporte une sérénité, j'ai envie de dire, au tournage et au projet dans son ensemble. L'enjeu de ce camp, c'est de savoir si le cinéma est une technique qui peut être adaptée au scoutisme. On a à la fois mené une vie scout qui est déjà en soi un défi, enfin quelque chose de pas forcément facile tous les jours, de vivre la loi scout, de vivre une fraternité réelle, même dans les moments difficiles. Et puis quelque chose qu'on ne connaît pas, enfin moi je ne suis pas du tout technicienne, mais mener les deux, c'est un beau défi, parce que c'est dire qu'on est scout tout le temps, quoi qu'on fasse des choses inédites ou des choses ordinaires, et on les fait ensemble en plus. Le feu, le se laver le matin, dormir sous la tente tous les jours, et ça dure 18 jours. Donc on a des contraintes de vie de routier qui sont telles que peut-être c'est incompatible avec la vie d'un acteur qui doit être le même qu'il y a 12 jours et pouvoir sourire tout le temps, habillé de la même manière. Alors il faut laver nos affaires, etc. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Donc c'est un projet totalement fou et en même temps, chacun essaye de faire de son mieux et c'est ça qui est intéressant. On a effectivement ici, à la fois dans l'équipe technique et parmi les acteurs, donc des gens qui veulent apprendre et qui font de leur mieux. On essaye de faire que l'on puisse leur apprendre et en même temps qu'on puisse réaliser des choses correctes. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un film qui tienne la route, qui soit beau, qui soit bien réalisé en fait. C'est pas forcément toujours évident d'obtenir le résultat que l'on voudrait. Mais en même temps, on réussit à faire que chacun se sente impliqué dans le projet et que tout le monde puisse progresser dans un domaine, dans un autre. Donc finalement, on réussit à combiner les deux. On joue le jeu et on fait confiance à celui qui joue, on fait confiance au technicien et on va pas se battre en disant « ouais, il est pas pro, du coup on recommence trois fois la scène à cause de lui ». Ben tant pis, on le sait. Et de la même manière, on sait aussi que l'acteur est pas un professionnel et qu'on recommencera trois fois la scène à cause de lui. Donc tout le monde sait qu'on est limité et qu'on a nos pauvres moyens, mais en même temps, on sait aussi que chacun donnera ce qu'il a de plus beau. Parce qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut avec le peu qu'on sait, mais tout en faisant un projet ensemble. Les Guides Scouts d'Europe, c'est pas notre mission de produire des films, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est qu'après, on puisse parler des aînés avec ce regard.
on doit être dans le sens de l'effort et du beau, toujours, toujours, toujours. Et prendre les moyens pour y arriver, c'est-à-dire que peut-être supprimer une scène ou supprimer je ne sais quoi pour qu'on revienne à plus de sérénité entre nous. Mais s'il y a ça, si on suit, si on maintient l'équilibre de la vie scout, si on a tout ça, moi ça me va. Ah ouais.